Merci beaucoup. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, n'aurait bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, j'en en prendra. Ah bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens assez stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi, René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je me tranquille. Je commande un déca, mais un café, il est un. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit. Vous auriez l'air, s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? Tente de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse. En plus, il m'a chier. Enferme la cuisine, il reste un peu de café. Ouais, ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et on prend le café. Il faut bien que je dorme, mais les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends le café. Commencer la prochaine chanson en me donnant des baffes. Voilà, ça me rappelle ma vie. Mais bon, j'ai pas pris que des baffes, hein. J'ai aussi pris des coups. Heureusement, il y avait la guitare. Ça me redonne toujours la pêche. J'étais bien attaché. J'avais mon sac autour de la tête. Le barreau de chaise était scié. Je tombe et v'là que la poutre pète. J'ai loupé ma pendaison. Les autres suicidés me prennent tous pour un con. Dans leur cercueil, ils se moquent de toutes mes tentatives en toc. Recroquevillé dans ma baignoire, de l'eau jusqu'au menton, j'y ai fait tomber mon séchoir, mais j'ai juste réussi à faire péter les plombs. J'ai loupé mon électrocution,
Les autres suicidés me prennent pour un bouffon. Dans leur cercueil, ils se moquent. Oh. De toutes mes tentatives en toc. Un soir de déprime chez des amis, je décide de piller leur pharmacie. J'avale tout un flacon pris au pif, mais je suis tombé sur les gélures, j'ai la tchakif. J'ai loupé mon empoisonnement, d'autres suicidés me prennent tous pour un gland. Dans leur cercueil, ils se moquent de toutes mes tentatives en toc. Tellement de gens sont voués à mourir, alors qu'ils ne demandent rien. Moi, c'est la seule chose à laquelle j'aspire, mais je n'arrive pas à mes fins. Si la malchance m'a gardé ici, c'est qu'elle réservait une surprise à ma vie. Je l'ai connue un soir d'été, en sortant du métro gaieté. Excusez-moi, je vous ai vu dans le métro et je vous trouve vraiment joli pull. C'est du coton. Ça vous dirait de prendre un tibli papa un verre. Ouais. Allez voir si vous êtes chaud. Eh oh, eh oh. La plupart des grands chanteurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mettent de plus en plus de temps à écrire des chansons, 5 ans minimum entre 2 albums pour 12 chansons. Les amis auteurs avec qui j'écris depuis quelques années, on s'est réunis un samedi après-midi à la maison et on a écrit 55 chansons. Et si vous voulez, je vous fais une vingtaine de chansons là pour terminer. Ça vous dirait que je vous fasse 20 chansons pour terminer? Oh, ça va changer pas. Alors je vous explique, ce sont des chansons qui durent pas plus de 15 secondes, voire 20 secondes maximum. Il y a une liste comme ça dans laquelle je pioche chaque soir, suivant comment ça s'est passé. Là, c'était assez rapide et très sympa en même temps. Et je vais commencer par une chanson qui intellectuellement met la barre un peu là. Hein. Attention, là ce soir, c'est juste pour voir où c'est qu'on en est. Skilak, it's got kind, come on, I come home. Hawkins clay, Hawkins and skilk don't cry. Hawkins, Hawkins, ça, c'est une espèce de mélange de Scorpion et de Belle et Sébastien, vous voyez, un petit peu. C'est que l'intro musical, c'est que l'intro, c'est... le texte arrive, attention. Si Vivaldi était né dans la forêt équatoriale, est-ce qu'il aurait composé les deux saisons? Voilà, c'est tout, c'est ça. C'est pas la peine d'applaudir, hein. C'est gentil. C'est pas la peine d'applaudir parce que nous allons faire vraiment bien, hein. Enfin, normalement bien, je vais essayer de battre mon record. Attention, la seconde, elle est un peu plus... Walking, walking, one man, walking on my way, solo man, oui. Moi, ce que je préfère dans le poulet, c'est le blanc. Et dans les fruits de mer, c'est le blanc aussi. Ouais, ça, je sens que là, ça met un peu de temps à venir, hein, je vous rassure. Même moi, quand je l'ai écrite, je n'ai pas compris de suite, hein, je vous l'avoue. J'ai des amis très proches et qui ne la comprennent toujours pas. Qui me disent, voyez, qu'est-ce que tu as voulu dire, au fait, là-dedans? Je veux dire, ce que je pouvais pas dire, ce que je préfère dans le poulet, c'est le muscadet. Vous voyez, je peux pas dire ça. Et là, il y en a qui comprennent, donc regardez, là, il y en a qui comprennent et qui se disent, putain, mais qui est con, mais c'est pas possible. Tout à fait. Attention. Celle qui vient est un peu pataphysique, on va dire ça, comme ça. When such can scholar, man, what may say, you call on my world, so long.
Le vide, c'est un peu comme un trou dans rien, avec du creux autour. Voilà, ça c'est... Ça c'est comme quand ma gamine demande à ma nièce, est-ce que tu penses qu'à toute berzingue, ça va plus vite qu'à folle les manivelles. Vous voyez, c'est un peu pareil. Truc qu'on comprend pas vraiment. Mais... Bon, je vais essayer de me rattraper un petit peu. Hein. Un physionomiste à l'entrée d'une discothèque, ce n'est ni plus ni moins qu'un ouvre-bois à teux. Je prends ça. Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Ok. Un souvenir de vacances, c'était. Le plus angoissant, quand on revient de congé, c'est que les amis de vacances qu'on a invités à venir chez nous le fassent vraiment. Ça, c'était quand j'étais en camping avec mes parents gamins à l'apéro. Ça, vous avez qu'à passer. Deux mois après, je te dis qu'ils sont là, Janine. Savez-vous comment on dit lifting en français? Non? On dit raté. Wanna walk in a roll on way. Avec la disparition de l'abbé Pierre, je me demande comment on va faire pour savoir dorénavant quand c'est l'hiver. Oui, 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 ah oh. On passe pas partout, ça. Makin' a tortin' I'm a walkin' I'm a peggy wonky. Voilà mon kid, what I'm a fair. Ah là, après l'hiver, ma tondeuse est en manque, il lui faut sa dose d'herbe. Ça, je... La chaise qui vient, je voudrais la dédier à toutes les filles, à toutes les femmes présentes ce soir dans cette salle. C'est pas très reluisant pour nous, messieurs, mais c'est comme ça. Quand les petites filles arrêtent de croire au Père Noël, c'est pour croire... Au prince charmant, doit-on leur dire la vérité? What say you, my hope is so no matter what am I? Yellow hockey, celle qui vient un peu moins fine, mais il faut vivre. You're too so smart, we say. Walking away, Manoho. Là où la plupart des gens ménagent la chèvre et le chou, le légionnaire ménage que le chou. J'ai envie ce soir de tenter une performance musicale. Je le fais rarement, mais j'ai envie de le faire. Je vais vous jouer un morceau. Il faut reconnaître le nom du groupe, pas le titre, hein. Je vous demande pas le titre, le nom du groupe. C'est un groupe des années 80, j'espère que vous avez... Attention. Si vous trouvez pas, je fais de la merde, là. Toto, exactement, Toto. Alors, la performance musicale que je vais tenter ce soir, je vais tenter de faire une blague de Toto sur une musique de Toto. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou que je suis en train de faire. Hein. Attention. C'est Toto, à l'école sa maîtresse lui dit, mais quelle est la cinquième lettre de l'alphabet E? Là c'est réussi ce soir, vous pouvez applaudir. Ah oui. Ah ouais. Je suis en train de travailler sur une contravention avec une musique de police, c'est pas gagné. Et ma grande quête, mon inaccessible étoile, c'est un extrait du catalogue La Paire sur une musique des Doors. Alors là, là, oui, oui, mais merci. Vous vous rendez pas compte. Une mouche morte, ça n'a jamais fait pleurer personne. Un oignon si. Walk a mile on my way, walk a mile on my way. La douleur c'est terrible, ça te prend comme une envie de pisser. Sauf qu'après avoir pissé, t'as toujours mal. Là c'est... Qu'est-ce qu'il raconte? Chanson, je voudrais la dire à tous les amis artistes qui ont foulé ce plateau ce soir. C'est pour eux. J'aimerais être un chanteur maudit qui resterait à jamais incompris. Je cracherai sur le système, je crèverai dans la misère. Mais ma femme veut pas.
Romain Larouet. Romain. Le sadomasochisme, ça, oh oui, ça, oh oui, ça crée des liens. Il faut connaître, il faut connaître, il faut connaître. Oh madame, ma papa, dès que je lui dis un mot, elle s'emballe, c'est décidé, je divorce et j'achète un cheval. Pas très élégant pour terminer un spectacle. Mesdames, vous allez avoir votre revanche pour toutes les petites horreurs que j'ai pu dire ce soir sur la Jeanne féminine. J'en ai pas dit, j'en ai pas dit du tout d'ailleurs. Un soir, nous étions au resto à ma compagne, nous n'allons pas souvent au resto, même si ça ne se voit pas. Je vous remercie. Mais quand on y va, on fait ça bien, on se fait le resto, les nappes blanches, les couverts en argent, les candélabres. On y met le prix, on se fait le resto. Je crois que ce soir-là, au menu, elle avait pris une 4 fromages. Babybel qui a réfrigéré mon belle vache qui rit. Et d'un coup, elle me dit... Chérie, mon amour, sais-tu ce qui me plaît le plus chez toi ? T'énerve pas, je cherche. Alors je vais en faire deux. Une que je vais dire à mes amis de la compagnie créole. Pardon, de la Confédération paysanne, excusez-moi, je les confonds. C'est les amis, on peut se permettre. Alors que ça m'est venu comme ça, j'ai essayé. Ah oui, je suis complètement faux là. Mais c'est pas grave ça. Ça fera bien Confédération paysanne. Hein. Dans certaines régions où vivent des bergers et leurs moutons, on a réintroduit des loups, des ours. Alors qu'on ferait mieux d'y réintroduire des femmes. Voilà, par exemple. Ça, oui, bon. Ouais. Et une dernière. Et je crois qu'il va y avoir un entracte. Je ne sais même pas s'il y a un entracte. Fait qu'il va... Comme ça, ça va nous amener tout droit vers la buvette qu'il n'y a pas. Mais nous, on a une buvette derrière. Si tu bois sans avoir soif, faut pas t'étonner si un jour tu pisses sans en avoir envie. Merci mille fois, merci pour cet accueil triomphal. Vous êtes encore là? On va aborder l'actualité. Vous savez que l'industrie automobile traverse une crise sans précédent et les constructeurs français sont en train de mettre au point des modèles de plus en plus petits, de moins en moins chers, dépourvus d'électronique. Je me suis permis personnellement d'apporter mon grain de sel et je vais vous livrer mes conclusions dans les couplets que voici. Les constructeurs automobiles depuis longtemps cherchent un style qui leur permettrait d'écouler leur production à l'étranger. La solution c'est le sur-mesure à chaque pays sa voiture. Pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France on connaît nos limites. Nous on en a des toutes petites. Des plus petites, il n'y en a pas. À part peut-être celle des Chinois. L'Américain en a une large qui rentre même pas dans le garage. Au Portugal, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y ait de la fourrure partout. Chez le Russe qui aime faire des conquêtes, elle est montée sur chenillette. Un bel engin qui, sans problème, pénètre le marché tchétchène. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. On les astique avec amour dès qu'elles ont fait un aller-retour. Chez les Grecs, y a pas de portière, car ils passent tous par l'arrière. Pour la longueur, aucune n'égale.
celle qu'on peut voir au Sénégal. Chez les Brésiliens, quelle tristesse. Il y en a même où il manque des pièces. Au Vatican, elle dure longtemps. Faut dire qu'elle serve pas souvent. En France, on connaît nos limites. Nous, on en a des toutes petites. Le temps de préchauffage est très court, car elle démarre au garde-tour. Les Anglais qui ont de la jugeote ne retirent jamais leur capote. L'Israélien qui est circonspect exhibe un beau modèle coupé. En Italie, on s'en tamponne pourvu qu'il y ait un bon klaxon. Au Proche-Orient, il y a des mecs qui s'envoient même en l'air avec. Nous, on en a des toutes petites, des petites nerveuses qui vont très vite. Les femmes veulent bien les prendre en main, à condition qu'il y ait de bons freins. À ses failles, oui. Ce qui signifie que des rechutes sont possibles. Par exemple, 12 minutes après ce regain d'énergie, toute ma famille a débarqué chez moi en mode surprise. Comme chaque année. Donc du coup, c'était 15 personnes au resto pour un seul anniversaire et moi j'étais toujours en gros bad trip, rapport au largage, voilà. Donc tant qu'à être là, bah, au moins que ce soit pour la bonne cause, hein. Bah les cadeaux, bien sûr. On fait quoi là? On fait le gâteau ou on fait les... Ah, on fait les cadeaux? Ah d'accord, super. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Merci maman. Hé, hey, super. Non, c'est pas le billet pour New York, non. C'est les desserts de Mamie Paul. Merci. Non mais c'est... Ben, c'est marrant, mais quand on pense que la probabilité de chance que je cuisine est à peu près égale à celle que je tombe dans le coma là tout de suite maintenant, mais merci. Vous avez gardé le ticket ou... Non? D'accord. C'est quoi? Ah non, mais dis pas, sinon c'est plus un cadeau. Hein. En même temps, le smartbox, c'est la mode. Hein. J'adore les massages en plus. Féru de Clermont-Ferrand, atelier de nœuds marins, puis dégustation de bleu d'Auvergne, et descente en rappel le long d'un volcan, mais ça fait peur, ça. Ça fait peur. En 30 minutes. Ah d'accord. Donc tout ça en 30 minutes. D'accord. Bah, je sais pas quoi dire. Dois-je vraiment te remercier? Merci, Richard. Merci. On dirait le truc, on dirait un sécateur. Le... Ah, c'est un sécateur. D'accord. Pour le jardin que je n'ai pas, donc. Pour mon jardin secret. Non, c'est pas drôle, Richard, non, c'est pas drôle. Bon, il est où, papy, là? Il a étiré du fric ou quoi? Il a étiré de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça, un tout petit animal? Un cochon d'Inde? Mais vous le faites exprès ou quoi? Vous le savez que j'ai pas le feeling avec les animaux qui mettent mal à l'aise. Comment ça, un compagnon de vie? Un compagnon de vie dans vos... Elle est où l'enveloppe, là? Il y a une enveloppe? Qui a l'enveloppe? Excusez-moi, personne a remarqué que j'étais à la ramasse niveau financier et que j'étais à deux doigts de voler le palmeur à table, hein? Non, mais c'est dingue l'injustice, parce que comme ma famille a beaucoup d'argent, bah, tout le monde pense que j'ai hérité, que je suis à l'abri. Eh bien non, j'ai juste hérité d'un gros cul et d'un micro et puis je me suis mise au boulot, voilà. Donc, comme si c'était déjà pas assez, il continue. Ah oui, parce que qui dit 25 ans, dit quart de siècle. Donc instant débat, donc pression, donc relou. Donc on me pose 1000 questions auxquelles je ne peux pas répondre, étant dans une situation précaire, mais artistique notoire. Non mamie, non, je sais pas où je serai dans 20 ans, non. Mais toi je sais. Non, tonton. Non, j'ai plus de mec, j'ai pas de mec, non. J'ai pas de mec, non, mais toi, oui, non, il me semble. Oh, ça va, Freddy Mercury en fond d'écran, c'est bon, hein. Oh non, voilà, papa, si je n'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant non plus. Désolée, eh oui. Ah, exactement, mon petit bout, j'aurai donc mes règles le mois prochain. Tout à fait. Non, dans 30 ans non plus, j'ai pas mamie, hein. Oh, ça va, écoute, hein, les grosses sœurs de Mylène depuis 20 ans, même le petit a compris que t'étais pédé. Mais, ah, la ménopause, non, chérie, ça c'est pour maman. Mais oui, maman, tu crois quoi, bien sûr, hein. Si vous m'aviez laissé le temps, je me serais lavé les cheveux et les dents et tout ce que tu veux d'ailleurs. Alors évidemment, au bout de 5 minutes et 6 remarques, bah, je me mets à chialer. Des petits ronds froissés, plein mes livres de poche. Sur ma robe, une goutte posée comme une broche. Quelques grammes de sel dans l'eau douce des piscines. Ce que c'est que d'avoir la larme un peu facile. Sur mes pieds nus, même quand il ne pleut pas, il pleut sur mes genoux, au fond des cinémas, des auréoles bleues, sur mon journal intime, ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile.
grammes de sel dans le vase des glycines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus au milieu de l'été. Il pleut sur mes genoux à l'Opéra Garnier. Des auréoles sombres attaquent mes magazines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit matin, je sais. Ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Alors, comme le veut l'expression, hein, à qui de droit, à qui de Dieu, pleure, tu pisseras moins. Bon, bah, mon cul sur la commode, ça marche pas, voilà. Moi, je vais aux toilettes environ toutes les 20 minutes. Voilà. En fait, si vous voulez, ma vie est une immense pause pipi dans laquelle parfois je prends le temps de faire des choses. Voilà. Comme aller au cinéma ou voir des amis. Voilà. Et puis en plus, là, j'avais mes règles. Donc, circonstance, ça va. Mais ça va. C'est désolé. Pendant cette période, je mute. Voilà. Je deviens sexe à part. C'est terrible. En fait, pendant cette période, tout change chez moi. Et visuellement, c'est monstrueux. Ça donne un truc. C'est un peu comme si Bob l'éponge avait mal digéré une fondue. De la tupi, viens d'un petit village qui s'appelle le Mardi. Comment? Alors quand on monte sur le beat, hein, le butin tu fais. Y'a pas de la cité, mais le beat est bon. Y'a pas de Paname, mais de Mardi, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Coupez DJ, coupez DJ. Moisy le grand, vous êtes là? Oui. Je n'ai pas un tangli, est-ce que vous êtes là? Oui. Ah là là, ça fait plaisir, merci, quel accueil. C'était pas une vanne, hein. Merci qu'elle accueille. Hein. Non. Non, mais qu'elle accueille. Et quand je vois un accueil comme ça, je me dis, Mardi Gaumont, ça a quand même bien marché ce truc-là. Hein. Hein, ça a marché. Hein. Non, mais je me rends compte au quotidien parce que tout à l'heure, en venant dans le métro, il y a un mec qui m'a fait Camini. Non. Oh. Camini, Mardi Gaumont, tracteur les vaches. Mobilette, hein. Kéké. Oui, parce qu'avec moi, les gens font pas de phrases, en fait. Moi, j'ai... Ah non, moi, j'ai droit à des successions de mots, j'ai droit à des rébus, hein. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « Eh, vous, c'est le clip YouTube, Dailymotion, Picardie, Kéké, Petit Village, Mobilette en Picardie !» J'ai dit « Oui, mais fais une phrase !» Les gens reconnaissent, hein. Il y en a qui m'appellent directement par le nom du village. « Eh, Mardi Gaumont ! Je t'ai reconnu, Mardi Gaumont ! Mardi Gaumont ! » Il y en a qui se trompent de village aussi, hein. Et Nabomon ! Je t'ai reconnu, Nabomon ! Et Nabomon ! Un truc qui est formidable avec la célébrité, c'est que les gens donnent leur opinion dans la rue, hein, et de manière brève et succincte, hein. Des fois, c'est « Eh, Mardi Gaumont ! Bien !» Des fois, c'est « Eh, Mardi Gaumont ! Tiens ! De la merde ! C'est de la merde ! Même pas du rap, ce que tu fais, c'est pas du rap ! » Oui, parce que je ne suis pas crédible dans le rap, oui. Ah, je n'ai pas ce qu'on appelle la street crédibilité. Je suis pas assez ghetto, je suis pas assez voyou. En même temps, c'est pas de ma faute, je viens de la campagne. Mon père était médecin, j'ai un diplôme d'infirmier, j'ai pas de flingue, j'ai pas de tatouage. J'ai pas fait une seule fois une garde à vue, hein. Alors du coup, je suis pas crédible si je fais du rap en mode... Tu me dis pas bonjour, Kalashnikov. Tu veux pas faire l'amour, Kalashnikov. Tu veux me handek, Kalashnikov. Kalashnikov. C'est pas crédible, les gens rient, hein. Non, pas crédible, on le rappe pas une seule garde à vue. Aujourd'hui, même Nabila elle est plus crédible que moi, tu vois. Magnifique salle, hein. Rue de la Gaîté, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc la Gaîté avec nous ce soir, nous allons faire venir ici sur ce plateau une multitude d'artistes, une pléiade de vedettes, des gens pleins de talents, d'horizons différentes, avec des sketchs différents. Vous allez en avoir vraiment, vraiment pour votre bonheur et votre joie. Nous allons démarrer tout de suite. Qu'est-ce que je dis, démarrer tout de suite? Pourquoi j'aurais pas le droit de démarrer, moi? Hein? Ça vous dit, ça?
Moi, j'aimerais bien. Hein. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je vous chanterai bien quelques chansons tout de suite. Là, mesdames, messieurs, maestro. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. And oh, New York, come on. If I can, yeah, make it there, I'll make it come. Anywhere, it's up to you. New York, avenue. Formidable. Rappelez-vous, les années 30, c'était Monsieur Louis Armstrong, ça faisait. You looking swell, darling, I can't tell. Darling, you're still grabbing, you're still going strong. We feel the room swelling while the band baby playing one of old favorite songs. The ring back when you're my dear soul. Take your lap, fellas, fall on the lap, to rap, fellas, darling. Come to play, fellas, never go away, darling. Come to play again, oui, oui, c'est si beau. Les années 80, c'est Michel Jonas qui démarre une très belle carrière avec cette chanson. Rappelez-vous, ça faisait. Mon père vint dans ma ville, une ville qui s'appelait Lucille. Un vieux rock portait son nom, mais son cœur était un bloc de béton. Je lui écrivais des lettres, 10 par jour. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai toujours. Venait-elle me voir au mini pinson? Non, non, non. Vous aimez le rhythm and blues? Ça tombe bien, voici le roi du rhythm and blues, monsieur James Brown. Everybody stay with me. Are you ready? One, two, one, two, three, four. Wow, I feel good. Everybody clap. Blues are good. Oh, I feel you. Man knows that I'm good. Wow, so good, so good. I got you. I feel nice, come on. Make sure you respond now. Baby, 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 I feel nice. Make sure you respond now. Everybody, so nice, so nice. I got you. Wow. So good, so good, I got you. Wow, I feel you. Muriel, descends. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais chanter une chanson. Je voudrais chanter une chanson. Tu crois que c'est le moment? Ben oui. Ah bon? Une chanson de qui d'abord? De moi. Ah ben merci, vraiment. À la péniche du canal. C'est beaucoup trop bas, hein? Eh ben c'est pour ça. Non, Muriel, 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 la tonalité, Muriel. Ah, pardon. À la péniche du canal, on y voit des choses peu banales, des filles, des gars et des pédales, qui se mélangent, c'est fatal. C'est encore trop grave, hein? Ça c'est grave, c'est grave, on peut le dire. Et alors les paroles, ça vaut pas très haut non plus. Non mais j'ai un autre couplet, attends. Mmh.
Sur les bords de la Garonnette, on peut y voir des fillettes se balader à bicyclette et mater les grosses guéquettes. Tu dis pas guéquette, se dit pas guéquette. Non, tu dis pas guéquette, fini guéquette, plus guéquette. Pourquoi je dirais pas guéquette? Si je veux dire guéquette, je dis guéquette. Non, tu dis pas guéquette. Guéquette, 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 guéquette. Oula, le ton monte. Tu veux dire Muriel prend l'ascenseur? Ton monte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je m'en fiche, de toute façon j'ai un autre morceau. Ah ouais. Non, si. Non, mais non, mais Muriel c'est marrant un moment, mais après non. Non mais Muriel, qu'est-ce qu'on fait nous pour l'instant? Ce que tu veux, je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en tape complet. Ah ouais. Il y a quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps, en plus il y a du monde ce soir. Ah, ma, les enfants sont couchés. Et moi, je fais quoi, moi? Ce que tu veux, je m'en fous. Tu t'en fous? Non, non, moi, puisque c'est ça, je vais prendre une douche. Enfin seul, Pierre. J'en profite, elles sont parties. Si tu savais ce que ce prénom évoque chez moi, Pierre. Oh, Pierre. Tu fabules, elle préfère te voir courir dans les renoncules. Les petits cochons ne valent pas que tu bulles, ils n'aiment pas te voir te ramollir dans tes mules. Les petits cochons ne valent pas que tu fumes, ils préfèrent te voir. Spectacle qui s'intitule La plus folle histoire de la chanson. On va vous faire un petit extrait de ce nouveau spectacle. Tout d'abord, une chanson dans le domaine de la condition féminine. L'histoire de la chanson, la condition féminine. Vous l'avez dans la tête, bien. Voici donc une chanson, pour commencer, une chanson créée à l'origine par Jacques Brel, Gérard Joannest et Jean Corti en 1962. Enfin, à l'origine. Ce soir j'attends Ségolène, j'ai apporté toutes mes voix, j'en apporte toutes les semaines, Ségolène elle aime bien ça. Ce soir j'attends Ségolène, tous les militants sont là, ils crient à perdre haleine, Ségolène remets-nous ça. Ségolène c'est mon destin, c'est ma présidente à moi, mais sûr qu'elle est trop nulle pour ça, comme dit son cousin Jospin. Ce soir j'attends Ségolène, on fera un beau débat, la salle des fêtes sera pleine, Ségolène elle aimera. Elle est tellement hardie que j'en reste baba. Mais elle est en sursis, Ségolène que j'attends là. Ce soir j'attends Ségolène, mais y a trop de candidats.
Et on vient toutes les semaines et Ségolène, elle aime pas ça. Ce soir j'attends Ségolène, je me demande comme les médias, aura-t-elle sa robe de laine ou son pull en alpaga. Ségolène, c'est le bon choix, c'est ma présidente à moi, même qu'elle n'y arrivera pas, comme dit sa cousine Martine. Ce soir j'attends Ségolène, j'ai des cierges plein les bras, Jésus, Marie, Madeleine, Ségolène, elle aime tant ça. On l'a tellement honnie, c'est son chemin de croix, mais il faut que l'on prie, et Ségolène reviendra. Demain j'attendrai Ségolène, je rapporterai toutes mes voix, je les rapporterai toutes les semaines, mais mes voix suffiront pas. Demain j'attendrai Ségolène, je lui présenterai François, le président du MoDem. Ce François, il a des voix. Ségolène, elle a du front, il lui manque juste les voix, même que c'est lui qui les a, comme dit son cousin Benoît. Demain j'attendrai Ségolène, quand surgira Nicolas, qui lui dira des je t'aime. Et Ségolène, elle aimera pas. J'étais invité il n'y a pas très longtemps dans une soirée et je connaissais pratiquement personne, mais bon, c'était très agréable, j'étais là. À un moment donné, je vois une fille rentrer complètement belle. En la voyant, je me suis dit, ouh, c'est elle, quoi. Elle est là, c'est la femme de ma vie. Et en tant que femme de ma vie, elle va me reconnaître, hein. Ces choses-là sont réciproques. Bon, ben pas forcément, hein. Je me suis dit, bon, allez, va la voir, et puis, hein. Et j'y suis allé, et là, très sympa. On a eu un bon contact, on a parlé. Enfin, elle a parlé. Hein? Ouais. Bien sûr, ouais. Évidemment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais... Ah bon? Ah, mais je partage. Ouais. Ouais. Ah, c'est dingue, parce que moi aussi, Ouais. Moi aussi, ouais. Ouais. Attends, non, mais... Ah ouais, bien sûr, ouais. Attends, je voudrais... Bien sûr, ouais. Ah, si on faisait l'amour, simplement faire l'amour, tu te tairais peut-être. Ce serait l'occasion pour s'arrêter pour un cours, un moment de parler. Hein? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ah non, mais je suis complètement. Ouais. Ah, attention, t'as une tâche. Non, je disais, tu as une tâche. Ouais, non, mais c'est bon, c'est trop tard. Regarde pas, c'est pas vrai. C'était pour plaisanter, ouais. Ouais, c'est mon humour, ouais. Non, mais bien sûr, ça m'intéresse. Attends, c'est vachement intéressant, voilà, ouais. Je t'écoute, bah oui. Je fais que ça. Non, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, ouais. Bien sûr, ouais. C'est... Ouais, non, c'est sûr, ouais. Bonsoir. Ouais, c'est super. Ah, pardon, il est mort. D'accord. Non, mais de quelle race? Ah oui, ça va. Enfin, non, ça va pas. Non, on s'attache, ouais. Bien sûr. Oui, mais puis c'est à l'écoute, quoi. Bien sûr. Ouais. Pardon? Qu'est-ce que j'en pense? Il est tard, là, non?
J'aimerais vous chanter quelques petites chansons très courtes, vraiment, vraiment excellentes, qui sont de moi. Tout d'abord, la chanson du facteur qui boit. Moi, je suis pas maillot jaune, je préfère descendre les côtes que les monter. Surtout les côtes du Rhône, surtout les côtes à 12 degrés. Moi, je suis pas maillot jaune, je fais une tache rouge sur mon maillot chaque fois que je trinque. C'est pas pour rien que les copains m'appellent Virinque. Ensuite, la chanson du train qui passe. Dans cette gare, les trains ne s'arrêtaient pas. Non, mais mon regard s'est arrêté sur toi. Toi sur le quai d'en face et moi sur le mien. Quelque chose est passé entre nous. Un train. Ensuite, la chanson du garçon verni tombé sur une extravertie qui s'appelle Jennifer. Il y a une Jennifer ce soir? Non, il n'y en a jamais. On se calme. Merci. Chut, hop, ça suffit. C'est bon. On ne rit pas bêtement. Allez. C'est fatigant. Merci. Chut, hop. On y va. Je suis bien avec Jennifer. Ensemble, on passe des heures, surtout dans sa chambre. Faut dire que ma Jennifer, elle a les dents du bonheur, mais aussi les jambes. Bon, on passe à une autre, on passe à une autre, oui. Ensuite, la chanson publicitaire, au slogan lapidaire, Suisse, Suisse, idée pour les vacances. Je n'en avais pas terminé. Suisse, Suisse, idée pour les vacances. Suisse, Suisse, chez nous y a de l'ambiance. C'est un pays où on rigole, où on se régale, où les voleurs disent oh les mains tales. Et enfin, une dernière, je vous préviens, au cas où, pour la standing ovation. La chanson du célibataire endurci. Il y a des célibataires ce soir? Oui. Bon, ça va vous consoler. Être célibataire, c'est super. Déjà, la vaisselle, t'as deux fois moins d'assiettes. Et puis deux fois moins de fourchettes. Être célibataire, c'est super. La nuit, t'es tranquille, tu peux tirer les draps. D'ailleurs, tu peux tirer que ça. Bonsoir. Ça fait plaisir. Bon, moi, je trouve qu'on a assez rigolé. Vous trouvez pas? J'avais envie de vous faire des chansons d'amour. Ah, c'est bien aussi. Moi, je trouve qu'en ces temps perturbés, finalement, c'est une proposition politique qui tient la route, la chanson d'amour. Voici une chanson d'amour, comment je dirais ça, philosophique. Elle s'appelle « Les goûts d'Olga ». Les goûts en deux mots, hein. Non, commencez pas à déconner, on a dit on rigolait plus. Le poulet, Olga n'aime pas. Le poisson, si. Sauf la queue, qu'Olga n'aime pas. Mais son châssis. La brioche, Olga n'aime pas. Les éclaircies.
astiqué, ça la gêne pas. Mais la vessie, Ajaccio, Olga connaît pas. Mais calvitie, et Marinella n'apprécie pas. Mais Annecy, faire sa fière, Olga n'aime pas. C'est facétie, la queue de pie, Olga la met pas. L'anoraxie, de boulot, elle en manque pas. Mais de soucis, car son boulot très payant n'est pas. Sa licencie, à son père, elle ressemble pas. À sa merci, et sa mère ne lui en veut pas. Mais son père, si, ben ouais. Faire un môme, Olga ne veut pas. Mais l'élever, si. Se marier, Olga n'y tient pas. Mais Bibi, si. Avant de la voir, jamais pas. Mais après, si. Que de pierre, le cœur, j'avais pas. Dame adoucie. Mais les petits gros, Olga n'aime pas. Les grands sexy, que j'aime Olga, ça c'est sûr, papa. Qu'Olga m'aime, non. C'est quoi cet accueil? On recommence. Joseph Cantelous! J'aimerais qu'on applaudisse tout de suite tous les artistes qui sont passés ce soir. Bravo. Merci pour eux, c'était ma première partie. Alors je suis le célèbre Joseph Cantelous, la star aux 6 milliards de fans. Les organisateurs du festival You Humour ont insisté pour que je vienne. Ils avaient besoin d'une vedette. Je suis là! Si t'applaudis avec les mains dans les poches, tu vas te briser les olives, toi, là. Hein. Bon, alors, tiens, allume-moi un peu la salle. J'aimerais faire un test pour voir un peu qui est là. Ah, ceux qui voient pour la première fois en live Joseph Cantelous, levez la main. Oh, fang. Ça vous montre un peu le niveau de la culture dans ce pays. Hein. Bon, attendez, je m'accorde. C'est bon. Eh, il y a 12 cordes, c'est comme une R12 ça. Alors, chanson d'intro, et puis après on enchaînera, puis sera le délire comme d'habitude. Mais je vais vous apprendre tout de suite le gimmick que même les Japonais au Japon chantent en français. Ça fait comme ça. Cantelous avec nous, Cantelous avec nous. 1, 2, 3. Formidable, formidable. Allez, on y va. Bonjour, je me présente, c'est moi, Joseph Cantelous. Le public me connaît sous le nom de Joseph Cantelous. Au nord de ma région, il y a des marrons. Vive l'Ardèche! Je suis né dans le sud,
riche, c'est la garrigue, les jolies chèvres, le teig et les copains. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Arnaud. Je parlais plus aux gens, nous on s'est déjà vus. Excusez-le, il est un petit peu dépressif en ce moment. Ben voilà, on va ouvrir cette soirée d'humour. On va commencer par ce qu'on a de plus festif. J'étais levé depuis une heure, il était presque 17h. Dans mes yeux, il y avait une lueur, gastéropode. Je me faisais chier comme un roi, et toi qui n'étais même pas là, je feuilletais un de tes mains, gazine de mode. Dehors, il faisait plutôt beau, je bouffais un paquet de gâteaux, j'avais mis un mix de morceaux sur mon iPod. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais tout à coup j'ai entendu comme un petit groupe de voix en chœur me chantonner dans les speakers. Lève ton cul, qu'est-ce que tu fais? Reste pas là comme un bonnet. Va te laver, fais le ménage, reste pas comme une bête en cage. Pars plutôt en vadrouille, arrête de te branler la nouille. Au lieu de tourner comme un ours, va plutôt nous faire des courses. La musique a repris normalement, j'ai halluciné un moment. J'ai checké tous les branchements de tous les câbles. Pour être sûr, j'ai vérifié la date écrite sur le paquet des gâteaux qui pourtant étaient toujours mangeables. J'ai repris mes activités qui consistaient à rien branler quand ma messagerie a bipé sur mon portable. Une voix de femme m'a dit que je n'avais aucun ami, mais très vite ça a enchaîné avec les petits cœurs qui chantaient. Qu'est-ce que tu fous, tête de fion, t'as pas compris la leçon. Prends ton cul, va le laver, reviens quand tu seras essuyé. Bouge ta graisse, perds du vide, y'a le frigo qui est toujours vide. Plutôt que de faire le branleur, passe au moins l'aspirateur. Ensuite, je crois que j'ai tout éteint avant de trouver mon calepin où j'ai écrit voir un médecin la semaine prochaine. Comme c'est le genre d'histoire dont on a quand même un petit peu honte, je l'ai mise sur le compte de la migraine et de ton absence, ma belle, comme disait Sabine Paturel. Je ne suis que bourdeuse et faux pas quand tu te trouves loin de moi. Vivement que tu reviennes. Maintenant, mesdames et messieurs, avant de recommencer cette soirée, glamour. Quelque chose de sensuel, je sais pas, une chanson d'amour. Chanson d'amour, glamour. Hommage Gérard Rinaldi. Hommage à Gérard Rinaldi. Grand crooner. Voilà. Et à Déby. Déby Stouquette. Voilà.
Maestro, musique. Classe. Ouais, ouais, soft. Soft. J'ai compris. Soft. Vous pouvez danser si vous voulez, entre vous. Ma chatte s'endort sur le sofa. Je t'allume une cigarette. Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baisse ton front et tes yeux. Ah viens, ah viens, ah viens, prenons notre pied, ta terre pour une île, et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Tu vois, les gens aiment la tendresse. Oui, je vois ça. Ils sont intéressés. Tu tires un coussin sous ma tête. Tu lis mes pensées, je crois. Tout est clair dans tes yeux qui quêtent. Tu veux m'accueillir dans tes bras. Tu peux me mettre mon amour, ce vieux tube en fond sonore. C'est Love on the Beat de Gainsbourg, ton culte pour Serge Denor. Aviens, 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 prenons notre pied, ta terre pour une île, et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, jouissons ensemble. Sortir les briquets si vous voulez. Ah, on est à deux doigts de la standing ovation. Ah bah oui, oui. Dans les pantalons des gars du premier rang, quand vous faites votre numéro 2. Bon, à ceux qui ont des allumettes, évitez de les sortir parce que la chanson dure plus de 10 secondes. Voilà. Aviens, 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 prenons notre pied, ta tête pour huile, et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Thank you. Merci beaucoup.